C'est la pensée épique. Le premier livre qui a été écrit, c'est, on dit que c'est notre Odyssée à nous, ou notre Odyssée Iliade à nous, qui est le livre des rois, écrit au XIe siècle. Et ensuite vient la pensée, justement, lyrique. Donc, avec, évidemment, l'histoire d'amour, etc. À cela s'ajoute troisième école, qui est l'école mystique. Mystico-Perse, qui est judéo-chrétano-musulmano-bouddhiste. Donc, c'est assez mélangé.